Allez, cliquez. On va voir ce panorama. Okay. C'est la troisième du monde. Hein? Troisième camion. Belvedere. River Canyon. Site, payer. Voilà. Ok, payer. Rentrer dans les 206. Ah oui, oui. Qui est ici l'endroit, comment ça s'appelle? C'est l'endroit ici. Bourg. Bourg. Bourg est lac, Kotols. Merci beaucoup. Explication. Playpoint. Il faut payer. Il y avait le code sur le. Tu dois introduire le code. Les 5 contacts. Allez, bienvenue. J'ai dit tes bananes, tu peux te les foutre. Thank you.
retourner à la base. Fidèle Tombino, comme il a écrit ici, Fidèle, tu peux faire un résumé de la journée d'aujourd'hui sur les canyons? Alors, nous sommes sur les canyons de Blade River, qui est aussi considéré comme le troisième grand canyon du monde, après les grands canyons des États-Unis d'Amérique, après les canyons de la Namibie. Et voilà, nous sommes sur le site qu'on appelle les marmites des géants. Les marmites des géants. Oui, géants. On a commencé par les trois cases, hein. Oui, un peu de vertige. Oui. C'est un phénomène géologique qui s'était passé. Il y a des rivières qui s'étaient croisées, Traire d'un côté, et de l'autre côté, il y a les Blade River. Tout simplement, c'est la rivière de la joie et la rivière de la peur. Et les deux, avec une grande pression, ils vont faire des tourbillons et les tourbillons vont causer des cavités dans les rochers. Et c'est ce qu'on appelle chez nous potholes. Quand on les traduit en français, on les appelle les marmites des géants. Oui, mais tu m'as dit avant qu'ils ont désir de jeter en pièces. Il y a une tradition qui se passe ici beaucoup de temps par après dans les marmites des géants parce qu'il y a un messier, un aventurier de l'époque, un mineur, qui avait trouvé une bonne quantité d'or à l'intérieur qu'on appelle bouc. Alors aujourd'hui, il y a des traditions. Les gens qui y passent, ils y jettent des pierres. Soit c'est pour une bonne chance ou bien certains y viennent aussi pour le vœu. Quel type de vœux de mariage, par exemple, les gens ils peuvent se dire que les jours qu'ils veulent se séparer ou en cas de divorce, ils pourront revenir et descendre dans la falaise, dans les marmites, pour aller chercher. Hein? C'est dangereux. Il va mourir. Et il faut chercher la pièce. Alors, pour ça qu'ils ne vont pas divorcer. Ça ne va pas divorcer. Parce que ça risque la vie. Yes. Ok, merci parce qu'on a vu les deux sites. Le premier, c'est grandiose. Oui. Le deuxième, moi, je trouvais plus impressionnant. Oui. À niveau parce qu'on est plus direct le canyon, même si c'est le plus grand. C'est plus impressionnant. Ouais. C'est deux choses différentes. Exactement, c'est ça. Bonne c'est... journée, et puis il y a une belle chaleur, ouais. Bel ciel bleu, ouais. Et on va se voir la prochaine occasion, le prochain site. Le prochain site, allez. Ciao. Allez, ciao.